Voici l'Homme Gang, 18 000 mètres carrés répartis sur 9 étages que l'Université Saint-Louis vient d'acquérir. Ses anciens bureaux, voisins de ses locaux actuels, seront bientôt transformés pour mieux accueillir les étudiants. Le projet est aussi de connecter l'université avec son entourage. Il s'inscrit aussi dans une dynamique au niveau du quartier Marais-Maybaume, qui est un quartier qui n'est pas très connu, mais qui comporte un véritable pôle d'enseignement, de recherche et de soins, avec pas loin de 15 000 élèves et étudiants au total, 3 500 emplois dans le secteur de l'enseignement, de la recherche et des soins. À la place de ces plateaux, on trouvera à terme un grand auditoire de 650 places, ainsi qu'un espace polyvalent pour accueillir 1 300 étudiants, et des cotes pour en loger certains, de quoi répondre aux besoins d'une institution en plein boom. L'Université Saint-Louis est l'université qui, dans la communauté française, a cru le plus rapidement. Donc elle a doublé ses effectifs en une dizaine d'années. On a à peu près 3000 étudiants aujourd'hui. L'année prochaine, l'Université Saint-Louis intégrera une quatrième faculté, une cinquième même si on compte l'Institut d'études européennes, qui est la faculté Marie-Apps d'interprétation et de traduction. Voilà pourquoi elle a investi la bagatelle de 20 millions d'euros dans l'achat et la transformation de l'immeuble. Le chantier doit débuter l'année prochaine et s'achever pour la rentrée 2016.